attention, please. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce 26e épisode sur RimWorld Alpha 12D avec les animaux. Ça fait un moment que j'avais pas tourné, donc j'en profite pour faire le point avec vous en faisant se vivre partir la colonie sur cette colonie. On se rappelle que Adrien a été le premier colon à être renommé et à nous suivre, suivi d'Atlant BD. Dans les précédents épisodes, j'ai essayé de parer et de remonter la nourriture pour les animaux. Donc les animaux n'ont plus assez de nourriture et il faut y parer. Donc ce que je vais faire, je vais créer une zone encore plus grande de pâturage. Voilà, on va faire des pâturages. Donc vous êtes Atlant et Adrien et quelques-uns, mais surtout Atlant et Adrien, très actifs sur ce let's play. Et je vous en remercie, c'est très encourageant. Là j'ai un problème graphique, je sais pas à quoi c'est dû. Hop, c'est parti. Ouais, j'ai un problème graphique, c'est pas grave. Alors ici, une zone agricole. On va mettre en culture rien que pour les animaux. On va laisser des patates. On va laisser des patates. Ok. On a un vendeur de produits exotiques. Qui je peux envoyer? Pause. Et on va redéfinir les priorités de, pardon, de tout le monde. Voilà, on va profiter pour cet épisode de tout restructurer, de tout améliorer. On voit que j'ai des problèmes avec mes animaux, j'en ai beaucoup trop. Alors ici, on va pouvoir vendre... Allez, tout ce qu'on a fabriqué. On vend pour faire du pognon. Je sais plus s'il me fallait des organes bioniques, de toute façon on n'aura pas assez. Alors, en poule. Je pensais en avoir plus que ça. Chinchilla, sanglier. Non, ça c'est on peut en acheter. Ok. Ok. On n'a pas de sous. C'est quoi ça, pen stopper? Fit pen. Brain, c'est un cerveau. Bon, là je peux pas faire plus. Je peux pas vendre plus. Ok. J'accepte. Donc je vais essayer de réorganiser tout ça. Donc la bouffe, on va faire une zone de patates où les animaux vont pouvoir aller. Zone des animaux. Agrandir les régions. Animal area 1. 2. Enfin, c'est celle-ci que je vais agrandir. Voilà, on va laisser nos animaux aller un peu plus et un peu partout. Qu'ils puissent aller manger de l'herbe. Voilà, on les laisse un peu de liberté.
Ok. Voilà. Ensuite, animal fou. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, apparemment, il est mort déjà. Bon, ben, c'est bon. Alors, j'ai dit qu'il faut que un colon ait besoin de soins. Ouh, lui, il s'est pris la foule. Quoi ? Non. Turtle de God. Qu'as-tu ? Turtle God. Je vais pas réussir à m'organiser. Démence. Grippe. Bon, écoute, tu vas aller te soigner. Se reposer jusqu'à la guérison complète. Alors, on va déjà commencer par réorganiser. Ah, ça commence à nous creuser les chambres. Ah, réorganiser les tâches de chacun. Puisque, comme l'a fait remarquer Atland, j'ai un peu le fourbi là-dedans. Grossiste. Non, bon, on va aller voir le grossiste d'abord. J'arriverai pas à. On va voir le grossiste. Ici, il faut que je mette du bois. En bois. Alors. Le bois, il vaut pas très cher. Le cuivre, on n'a pas trop ça. Les terrassons de survie, des plats skis. On va acheter des plats. Voilà. On va prévoir, on va entreposer de la bouffe. Ah, les animaux nous bouffent notre bouffe. C'est pas possible. Oui, il faut que je fasse une. Là, c'est quoi ? Noyodia. Ça. Donc, je vais enlever celle-ci. Ah, je vais enlever cette balise. Ok, donc, dans mes priorités, alors, casser, on va mettre pause. Alors, dans mes priorités, on va tout, on va laisser ce qui est obligé d'être sur 1, et on va réorganiser toutes les priorités annexes. Donc, tout remettre sur 4, pour tout le monde. On va tout repasser à 4 et on va comme l'a précisé Atland, j'ai un peu le fourbi dans mes priorités et ce qui fait que ce que je voudrais qu'il soit fait n'est pas fait. 4 j'aurais pu faire ça hors caméra, mais non. Là, 4. Quand je vois tout ce que je repasse à 4, en effet, j'avais pas mal. Voilà. Donc dans les médecins, on va en repasser en priorité 2. Alors le meilleur médecin. La 12 4 on c'est Chris. Bon, on va garder nos médecins dans ces priorités là, de toute façon c'est pas trop grave. Ensuite cuisinier, le meilleur cuisinier c'est et ça reste. Alors là, il y a 10. 10.
vêtement Atlant Pass cuistot principal en 2. On va mettre des priorités. Je vais jouer avec les priorités 2, 3, 4 comme tu me l'as conseillé. En chasseur, notre meilleur chasseur. Alors là on a 12. Non, c'est l'Estra. En 2. En constructeur, notre meilleur constructeur. En 2. Réparateur. En 2, puisque 12. Ok. Enfermé, notre meilleur. De toute façon, ça restera toujours Turtle God, même s'il a des soucis de santé. Et en deuxième, lui, comme tu es occupé à la construction, lâche. Réparation, tu peux, s'il n'y a pas de construction de réparation, le faire. Ensuite, mineur. Notre meilleur mineur, pour le moment, ça reste Adrien. Donc Adrien en 2. Garde forestier, on verra plus tard. Forgeron, ça sera l'artisan qui fera de l'artisanat surtout. 9, 7, c'est toi en 2. En 2, tout ce qui est forgeron, tailleur et artisan. Artiste pour ce moment s'en occupe pas. Il nous faut un transporteur à 100%. Là, c'est même plus du 2. Là, c'est une priorité absolue. Et il nettoiera la colonie en priorité absolue. Et notre chercheur, c'est Freya. En 2. On passe aux priorités 3. Priorité 1 sur notre joaillier. C'est Adrien, voilà, Adrien s'occupera des prisonniers, mais là je te mets une priorité 1. Dès qu'on en aura, il faudra. Anla, ceux qui doivent s'occuper des animaux. Donc, tu construis, tu répares, tes fermiers, et en 3, ainsi qu'Atlante, vous vous occuperez des animaux. Atlante, même si t'es pas si bon, c'est juste parce que toi, tu as un bon apprentissage là-dessus. Nous n'avons pas de priorité 2. Garde forestier. Alors, en 3. Tac. En 3. Forgeron. Je vais en rajouter un qui n'a pas trop de choses à faire. Parce que ça chasse si j'en donne pas. Donc je veux que... 3. Ok. Et par contre, pour donner un coup de main au minage, un bon apprentissage, t'es pas bonne à te mettre en 2. Voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner avec tout ça, en espérant. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est cette onglet. Voilà. Donc les priorités sont redéfinies. Maladie grippe, c'est Turtle God Dog. Je t'ai dit de te soigner. Non, il peut pas se soigner. Cassé. Ah parce qu'il est. Oui. Ok. On s'occupera de l'attrait de la base plus tard aussi. Donc là, j'ai pas mal d'animaux. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Là, on n'a rien planté. Nos batteries, elles se remplissent. C'est l'établi de tailleur de pierre. Ok. Bon, du coup, ça mine. Et on va pouvoir agrandir la base. D'accord. On a Gizmo. Ah, je me souvenais plus. On avait Gizmo. Prisonnier. On tente de le recruter. On le nourrit. Ok, c'est bon. Alors, la bouffe.
Atlant Cuisine. Ici, dans cette zone, on va autoriser peut-être les patates. Ouais, les patates. On avait dit qu'on leur donnerait des patates. Ok. Là, l'herbe pour les animaux, elle pousse pas beaucoup. 32%. Ici, on en avait rajouté. Ok. Voilà. Ok, bon. On va améliorer l'intérieur de nos en tissu, on en a. L'intérieur de nos sols. On va faire des chambres un peu plus belles. Et on va leur mettre des tapis. Alors, des tapis. Du rouge dans la chambre du prisonnier. Voilà, on va mettre du bleu dans la chambre de nos contrebandiers. On va aller voir le contrebandier. Hop, contrebandier. Alors, Freya. Je sais plus si c'est Freya qui... en a mis dernier. On fait de joaillier, donc qui développe le social, donc ça sera Damien. Alors, on peut vendre les arcs qu'on fabriquait. Faire du pognon. Un médicament, on n'en a pas. C'est cher. Ah, c'est cher. C'est quoi ça, psychique? Artifact which give a temporary boost. Ouais, bon. Allez, on va faire comme ça. Médicaments, air médicinal, il nous en reste 60. Ok, comment il fait là-dedans? Moins 10, ok. Allez, on va décorer. On continue sur les sols. L'infirmerie, infirmerie, sol pavé de béton. Qu'est-ce que j'ai beaucoup comme terre de pierre? Tu m'as fait beaucoup de blocs d'ardoise. Voilà, sol en ardoise, ça va pas le faire. Vendeur exotique. Ouais, bah là, à force, j'ai plus de sous. Allez, pour le moment, on s'en occupe pas. Alors, l'infirmerie, les sols. On va mettre la moquette aussi. Voilà. C'est bon. On avait désigné quelqu'un au ménage. Alors. Qui est censé faire le ménage? Nettoyeur. Qui? Bon bah écoute, tu vas passer en deux sur le transport et tu me priorises le ménage d'abord. Par contre, du coup, je vais devoir mettre un peu plus de personnes qui donnent des coups de main sur le transport, parce que si on ne rentre pas ce qu'il faut rentrer. Alors, transporteur, qui on peut mettre en deux? Atlant, tu fais quoi? En priorité principale, tu n'as plus que besoin de cuisiner. Je t'avais pas demandé de miner. Et transporter. Tu cuisines, tu mines, tu transportes. Nos artisans font rien. Qu'est-ce que j'avais essayé de fabriquer ici? Outil analyseur, je sais plus à quoi ça sert. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué. Là, on va tout de suite commencer à faire les murs en meilleure qualité. Hop. Alors. Structure. Bois.
Rien de mieux. C'est pas Atlan que je voulais mettre. Non, c'est Adrien que j'ai mis. Ok, bon, c'est bon. Alors, on continue à améliorer la base. Là. Là. C'est bon. Structure. Au feu. Une mauvaise humeur. Turtle, lui, de toute façon, c'est notre grincheux de service. C'est notre grincheux de service. On n'a pas le choix, on fait avec. Alors, là, ici, on continue à améliorer nos murs. Nos poules, tiens, on a un œuf avec l'ensemble de poules que j'ai. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'œufs que ça, quand même. Avec nos mufalos, nos vaches, on a perdu une vache. Non, on a le bulle et une vache. Il faut pas de petits, oui, à peut-être chasser. Attendez, je vais mettre pause. Chasser là, on va chasser. Il nous faut de la bouffe, de la viande. Ok, là c'est quoi? Non, ça explose. Ça explose. Là, on a du sanglier ici. Sanglier là, hop. Sanglier là, hop. Lapin. Lapin, il nous a pas sélectionné des lapins qui nous appartiennent. Non, ok. Voilà. Nos chasseurs ont du boulot aussi. Ensuite, ensuite, ici, on a du sol. On n'a pas de sol. On va mettre du sol. Sol de béton, il nous faut quoi? Du fer. Du fer, on en a plus trop. Si, on en a un peu. Allez, nos zones de stockage, on va faire du sol. Ici, il faut que je refasse les murs. Ensuite, structure. Ici, il faut que... D'accord. D'accord. D'accord et d'accord. Ah, du lait. 30. Non, combien? 30 de lait. Précision. Commence à avoir. Alors attendez, j'ai pas suivi. Le lait fait quoi? On a toujours pas de bouffe pour les animaux. Pour le moment, ils se contentent de. Nos fermiers, ils ne travaillent pas, nos fermiers. Alors, nos fermiers. Nos fermiers. Turtle God, parce qu'il est malade. Et sinon, on avait désigné Danan. Danan, t'es où? Faut qu'on surveille Danan, voir ce qu'il fait. Pardon.
Alors, tu manges. Ah, Danan est un toubib. Ok, alors. Sinon, tu fais quoi, Danan? T'es censé être fermier. Hein? Tu manges, tu causes, tu te promènes. Tu transportes. Est-ce que tu considères que t'as rien à... Est-ce que j'ai mis une restriction? Ancien danger. Ouh, ça c'est pas bon. C'est un danger où? Là. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va arrêter la base là. Ordre. On va arrêter la base là. C'est un danger ici. D'accord. Donc, on peut améliorer les murs là. Là-dedans, ça va être chaud. Cassé. Qui a encore cassé? Turtle. Turtle commence à m'énerver. Zone. Zone de base. Zone de base, ok. On n'est pas en restriction. All colonies non restreint. Ah, ça c'est nouveau, j'avais pas vu. Écran de recherche, hyper sommeil. Mortier. Restriction. Personne n'est restreint. Donc je comprends pas pourquoi on ne vient pas planter ici. C'est peut-être pas la saison. Ouais, c'était peut-être ça. Drone psychique. Ok, un très violent. Fournisseur militaire. De toute façon, on n'a pas d'argent. Maladie grave. Qui? Turtle. Mais Turtle, j'arrête pas de te dire de te soigner. Je veux bien, mais va te soigner. Pourquoi je peux pas lui m'obliger à aller au lit? Structure. Hop. On arrive à la fin de cet épisode. Je prévois juste les murs qui n'ont pas été faits. Voilà. Alors, pause. Ma sauvegarde. Alors merci à tous et à toutes de m'avoir suivi sur ce 26e épisode. Pensez à liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde.